J'espère que vous allez bien, que vous êtes là, nombreux. Aujourd'hui, c'est un Tabata abdo. Ça va chauffer. Donc, c'est un très très cardio. Le principe du Tabata, c'est 8 ateliers qu'on enchaîne en faisant 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Donc, ça va très très vite. On enchaîne. Donc, ça fait 4 minutes assez intense. Hello tous. Donc on fera un Tabata, un exercice abdo, un Tabata, un exercice abdo. On continue comme ça, on va faire 5 Tabata en tout, donc 5 exercices d'abdo aussi. Donc on est parti pour une petite heure de séance. Coucou. Eh ben on va attaquer. J'espère que vous entendez la musique. Il y a mon enceinte qui veut plus se connecter à mon ordi, tant pis, on va mettre la musique sur l'ordi. Je vais essayer de mettre un peu plus fort. On fait avec les moyens du bord. Et on va commencer par s'échauffer. Banane. Allez, vous entendez bien là? Allez, on va attaquer l'échauffement. Tranquille. On est parti. Hop. Je commence doucement, c'est pour encore plus dur après. C'est une fin de bloc. Allez, une. Quoique,
Maintenant, on attaque les talons fessiers d'un côté. L'autre côté. Montez le genou d'un côté. Allez. L'autre côté. J'espère que vous êtes tous bien chauds. Je vérifie qu'il n'y a pas de soucis. Tout va bien. Ok, on va être prêt pour attaquer le premier Tabata. Il va être chaud celui-là. Ça va être le premier. On va mettre la musique qui va bien. À plat. Donc, j'explique le Tabata. Premier mouvement, ça sera du ciseau. Deuxième mouvement, préparez vos tapis. Ça sera du mountain climber. Ok. Troisième mouvement, ce sera démonter le genou. Quatrième mouvement, ce sera notre copine la grenouille. Frog. Ensuite, cinquième mouvement, ça sera les sauts en extension. Avec un petit saut sur le côté, on continue avec un plan tac, hop, 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 hop. Ensuite, ce sera des squats sautés. Et pour terminer, ce sera des burpees. Ok? Donc, vous pouvez faire des easy burpees, c'est-à-dire faire un petit saut, poser les mains, petit saut derrière, revenir. Ou des bras en vous mettant complètement à plat sur le ventre. Ça marche pour tout le monde. Donc vous avez votre Tabata. Hop là. Et pas là Nico aujourd'hui. On se prépare. Je mets la musique et le premier Tabata va commencer. 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Attention, on commence par les ciseaux. C'est parti! 20 secondes de ciseaux. On reste sur l'avant du pied. On pose sa talon. Allez, allez, 4 minutes. Hein. Le tabata dure 4 minutes. Et on relâche. On se prépare pour le mountain climber. Les mains sur le tapis. Attention, on est parti. Allez, dos bien plein sur les abdos. On est à fond. C'est que 20 secondes. Allez, allez. Et on relâche. On continue avec les montées de genoux. Soufflez. C'est parti. Allez. On tire bien tous les bras. On tient bon. Allez, allez. Et on relâche. Ok, le suivant. La grenouille. Les épaules bien au-dessus des poignets. Et on relâche. On a nos sauts sur le côté en extension.
Attention, petit saut. On écarte, on ramène. On serre fort ses abdos. Allez, allez. Et on relâche. Squat sauté, burpees et le tabata est terminé. C'est parti. Possibilité de le faire sans impact, en dynamique. Tout peut être fait sans impact. Hein. Et on récupère. Il nous manque les burpees et c'est bon. On va refaire une seule fois et on va faire un tabata.
On souffle bien, on récupère. Attention, dans 15 secondes, on attaque. On fait la même. On se prépare. Vous pouvez faire des petits ronds pour relâcher les lombaires. Attention. 4, 3, 2, 1, on est reparti. Dos bien plaqué, n'oubliez pas le dos. Jambes bien tendues jusqu'à la pointe des pieds. Que c'est joli. Et on souffle bien. Allez, on tient bon. Attention, on va attaquer les jambes qui descendent. C'est parti. Hop. Hop. Inspire, souffle. Et plaque ton dos, sale. Allez, allez. Possibilité de relever la tête, mais en regardant vers le plafond surtout. Très bien, on est parti pour les ronds. Allez, c'est bon. Allez, allez, 15 secondes. Ça chauffe par là. Yes. Allez, super. 4, 3, 2, 1. Et on relâche, très bien. Allez, on est prêt pour le deuxième Tabata. On souffle un petit peu. Ça va. Allez, on est nombreux, c'est bien. 18 personnes en ligne. C'est génial. On se serre les coudes, on est tous ensemble. Allez, souffle un grand coup, on rattaque le deuxième Tabata. On se prépare. Allez, on tient bon, on commence par les montées de genoux, rappelez-vous. Les ciseaux, pardon, ciseaux. C'est parti. Three.
les 7 et vous? Allez, on s'accroche. Je remplis ma bouteille d'arrive. Voilà. Le Tabata, c'est le même à chaque fois, oui. Donc au moins, vous attendez, vous savez à quoi vous attendre, hein. Alors, 6, c'est bien. Faudrait essayer de charger après, hein. 7, super Aurélie. Nickel. Allez, on a le deuxième exercice d'abdos qui nous attend. On se prépare. Hop là. Ça dure un heure. Allez, on se prépare. On se met en position de rameur. C'est du rameur statique pour commencer. Je vous dirai au fur et à mesure ce qu'il y a à faire. Attention. On est parti. Juste comme ça, statique. Donc là, genoux pliés, on ne cède pas avec ses mains. Si c'est dur, on plante le talon légèrement au sol, mais on engage les abdos. On va se faire statique. Attention, on va passer en dynamique. On va étendre, revenir, étendre, revenir. Je vous montre sur le côté. Allez. On regarde son dos bien plat. Allez, le cerveau. Super. Je me remets en face. On continue cette fois-ci. Côté. 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 On travaille les jambes. Hop. Hop. Il nous reste 15 secondes. Allez. Ça brûle un peu. Et 4, 3, 2, 1. On relâche. Très bien. Ça picote. On recommence le même. Dans 15 secondes. Allez. Préparez-vous, soufflez. Allez. On tient bien droit. Attention. On se prépare, c'est parti. Statique, 30 secondes. Extension, 30 secondes. Extension, côté, 30 secondes. Si c'est dur. On pose les jambes, les pieds, les talons. Allez, on commence. On s'est pas mis là. Allez, attention, les extensions. Hop. Inspire, souffle. On s'approche. Allez. Super. On peut faire les côtés. Allez. Allez, on passe 15 secondes. Celui-là, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a été pas mal, hein. Ça a chauffé le thorax. Ça a chauffé les abdos. C'est pas grave, Isabelle. Quand on n'arrive pas à faire un mouvement, on reste sur celui d'avant. Le maximum. On prend l'option moins. On essaie de faire. Allez.
On attaque le troisième Tabata, vous êtes prêts? Soufflez bien. On se prépare. Buvez, soufflez, vous êtes prêts? Ouais, c'est le feu chez Benoît. Allez, troisième Tabata. Oh, attention, attention. On commence par les ciseaux. Attention. 3, 2, 1. Ciseaux. Allez. On s'accroche. Après le tabac, ça sera la moitié de la séance. 3, 2, 1. Rest. Et on relâche. Mountain Climber. On se prépare. On relâche bien les bras. C'est parti. Allez, le plus léger possible. On tient bon sur les abdos. À fond, à fond. On relâche bien la tête. On relâche. Montez de genoux. Ok,
Prochain abdos, c'est de la planche. Je mets la musique qui va bien. Ok. Ça commence avec 30 secondes de planche statique. Je baisse un tout petit peu. Je baisse un petit peu pour que vous me voyez. Voilà. Ok, on commence avec la planche statique. Puis on rajoutera des mouvements. Et des mouvements avec les genoux et des mouvements avec les fessiers pour les 30 dernières secondes. Ok, on peut se mettre sur les coudes. On souffle bien, on se prépare. Attention. 4, 3, 2, 1, on est parti. On regarde son alignement. Alignement épaule, bassin, cheville. La tête dans le prolongement de la colonne. Ah, on est bien là. On n'est pas bien là sur la planche. Attention, on va commencer le mouvement avec les genoux. On est parti. Hop, sur le côté. Hop, l'autre côté. Hop. Souffle. Souffle. Hop. Et on le remonte bien le genou. Encore. Hop là. On tient bon. Encore un peu. Planche statique uniquement, c'est très bien, Isabelle.
Pas de soucis, vous êtes coincé, vous restez sur le mouvement d'avant, mais vous continuez tant que possible. Je préfère que vous fassiez un mouvement plus simple, basique, longtemps, qu'un mouvement dur, très peu de temps. Ça n'a pas d'intérêt. Et en plus, on risque de se faire mal si on n'arrive pas à bien le faire, pas bien l'exécuter. Allez, quatrième Tabata. Vous êtes chaud. Moi, je suis au taquet. Allez, attention. Je monte le son. On commence par les ciseaux. C'est parti. C'était l'avant-dernier. Ouh.
une chaise ou une balle de gym. Je change la musique. On va mettre les mollets sur la chaise. Je baisse un peu. Ok. C'est chaud, c'est chaud, hein? Hop là. Attendez. Alors, on va faire démonter. Statique et petit, je vous explique. On se cale avec la chaise et on va faire monter, descendre. Ensuite, on bloquera en haut et on fera des plus petits en haut. Ça peut se faire sans chaise ou sans balle avec les pieds au sol. Mais au moins, ça garantit d'avoir le dos bien plaqué au sol. Alors, se prépare. Dos bien plaqué au sol, ballon bien contre les fesses, une chaise bien prête. Attention, on est parti. Hop, descend, monte, descend. Pour ceux qui le souhaitent, on peut mettre les mains derrière la tête, reposer la tête. Et en aucun cas, on tire avec les mains. C'est juste un repos de tête. Allez, on ne fait pas d'à-coups, on monte doucement. On vient bloquer. Hop. On a le regard vers le plafond. On ne colle pas le menton à la poitrine. Allez, on bloque. Si c'est dur, on n'oublie pas qu'on peut reposer les mains sur la tête sur les mains. Ça y est, je déraille. Allez, on se bouge. Attention, on est parti pour 30 secondes de petit. Hop. Hop, hop, allez, on reste en haut. Allez, on tient bon, 15 secondes. Allez, et 4, 3, 2, 1, on relâche. Donc, je précise, on peut les faire pieds au sol, sans chaise, sans ballon. C'est vous qui voyez. Dans 15 secondes, on refait une deuxième fois. On se prépare. Allez, je fais sans ballon ici. Attention. On est parti. Monte, descend. Monte, descend. Souffle, inspire. Le regard vers le plafond. On aspire le nombril. Et on serre le périnée. On creuse le ventre. Il ne faut pas que les abdos ressortent. Il faut que le ventre soit bien plat. Ok, on bloque en haut. Hop. Si c'est dur au niveau de la nuque, on repose. La tête sur les mains. Ici, le boulot, c'est de faire travailler les abdos, pas la nuque ni le cou. Les épaules sont bien relevées. On est parti pour les petits. Comme si on tirait les mains. Allez, allez. Encore 15 secondes. Soufflez bien. Allez, on tient bon. Encore un petit peu. 4, 3, 2, 1, voilà. Nickel. On va pouvoir aborder notre dernier tabata. Ah là là. Profitez-en bien, savourez-le, c'est le dernier. On n'a plus après. Quel dommage, on pourrait faire ça tout l'après-midi quand même. Pas de bras pour poser les abdos. Non, j'ai dit tabata abdos. C'est les abdos aujourd'hui, hein. C'est pas du chamallow, là. Hein.
C'est pas le Nutella, c'est la tablette de chocolat. Allez. Dernier Tabata, vous êtes prêts? Ouais. La foule en délire réclame un dernier Tabata. Allez, je vous le mets. C'est bien parce que c'est vous. Le son à fond. C'est mon préféré en plus, la musique. J'adore. Allez. Ciseaux. On a la patate. Thank you.
C'est la fin après les abdos. 2 fois 1 minute 30. Dans 3 minutes, c'est fini. 3 minutes d'effort. Tania, 8. Wouh. Et vous avez été carrément au sol ou juste sur les mains comme ça? Bravo. Allez, dernier abdo. En prenant sa pile, on est en planche latérale. Donc cette fois-ci, ça va se découper. 30 secondes. Gainage latéral. 15 secondes des petits mouvements de hanche. Et on enchaîne directement l'autre côté. Donc vous allez me voir de dos. On se prépare. Attention. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Position comme ça, ou sur le genou. Le genou d'en dessous peut se poser au sol. Allez, on monte le plus haut possible les hanches. On est gainé à mort là. Dernier exercice abdos, c'est fini. Attention, petit mouvement, on monte sur les hanches. Ça pique l'oblique. Ça arrive, c'est pas facile. 2, 1, on relâche et on va direct de l'autre côté. On tient. On tient bon, ça part. On est gainé. N'hésitez pas si vous êtes fatigué à mettre le genou. Je préfère que vous mettiez le genou, que vous teniez 45 secondes de chaque côté, plutôt que 15 secondes sur les pieds et s'écrouler après. Allez, c'est le dernier, hein. C'est bientôt fini. On est parti sur les mouvements de hanche. Allez, petit en haut. Ça picote les obliques. 3, 2, 1, on tourne de l'autre côté directement. Ah, il n'y a plus de musique. C'est quoi ce délire? Ah, bah, il n'y a plus de musique, on termine. Hein. C'est pas grave, je compte dans ma tête. On souffle bien. On s'accroche. Allez, allez, tenez. Allez, encore 10 secondes avant de monter et descendre. 5, 4, 3, 2, 1, on fait les petits mouvements, 15 secondes. Allez. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bravo. Super. Eh bien, vous avez fait une bonne séance aujourd'hui. Je pense que tout le monde en a eu pour son grade là. On a travaillé le cardio, les abdos. J'essaie de pas trop solliciter les cuisses. Donc forcément, on a fait des squats sautés, des montées de genoux. Mais c'est pas trop dur musculairement. C'est plus le cardio que ça fait travailler.
J'espère que du coup ça vous a un peu dérouillé de la séance d'hier pour ceux qui ont fait la pyramide de chaise avec Nicolas. Les bras, bah si, on les a un peu bossés en faisant toutes ces planches. Et puis voilà, sixième Tabata, Xavier, écoute, je t'en prie, vas-y. Moi, je vais aller manger. Ce midi, c'est truite et petits légumes à l'italienne. Voilà, voilà. Bon, je vous fais des bisous. On se retrouve demain, on est vendredi. Demain midi, je vous propose une séance de fitness kids avec Lil Wayne. Vous pouvez faire avec vos enfants, mais vous pouvez la faire à deux adultes. Un adulte tout seul, il n'y a pas de souci. C'est juste que les enfants pourront vraiment le faire. C'est pas une séance de fitness réservée aux adultes. Voilà, je crois que j'ai perdu mes abdos. Allez, je vous fais des bisous et à demain. Ciao, ciao.